Mes amis, je suis tellement content de faire ce tuto pour vous. En fait, dans ce tuto, je vais vous montrer comment regarder directement la troisième saison de La Casa de Papel. En fait, c'est le premier saison non américain qui a pris vraiment le contrôle du monde. Vraiment, c'est une série tellement populaire et connue partout au monde. Et en fait, là, sûrement, je veux vous montrer comment est-ce que nous allons y arriver. En fait, les liens, je vais les mettre dans la description, mais là, vous allez voir sur notre site là, HDS. C'est, il y a la Casa, donc vous allez voir la Casa de Papel, saison 3, épisode 1. Donc, c'est les liens que je vais vous mettre dans la description et je vais vous montrer comment tout vraiment les épisodes sont déjà dispo. C'est 8 épisodes qui sont disponibles dans ces séries. Alors, liste des épisodes. Et vous voyez la série qui vient de s'ouvrir et puis je vais cliquer sur épisode. Voilà. Si vous voyez un premier montrement, mais là j'ai trouvé épisode. Et enfin, il y a saison 3. Saison 3, vous y cliquez et vous voyez tous les épisodes. C'est 8. Donc vous avez 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6. Et puis en cliquant sur la Casa, donc là je commence par le premier épisode. Et pour regarder, vous cliquez sur là pour fermer et vous glissez les petits trucs à gauche. Et en fait, après avoir cliquez là-bas, bon, vous voyez, ça commence à se charger et vous cliquez sur play seulement. Moi, j'avais déjà commencé à regarder et là, on me demande si je vais recommencer au début ou si je veux continuer là où je me suis arrêté. En fait, moi, je ne vais pas encore entrer en arrière. Je veux commencer, je veux recommencer. Oh, une petite erreur, moi, je vais recommencer au début, c'est pas grave. Bon, en fait, la série est en train de se charger. La série est en train de se charger. Mais en fait, en attendant que le chargement se termine, je voulais vous demander de vous abonner à ma chaîne sur le petit icône rouge là, en bas de votre ordinateur. Sur l'icône rouge, on écrit abonnez-vous ou bien inscrivez-vous ou bien subscribe, vous cliquez là-bas. Et aussi, si vous voulez bien, si le tuto est intéressant, vous pouvez la partager sur vos réseaux sociaux, les liens. Bon. Aussi, vous pouvez laisser un petit commentaire, genre une autre question. Et si je vous demande de vous abonner, c'est parce que j'ai fait plein de tutos sur des nouveaux séries qui sortent. Bon, en fait, vous allez avoir des nouvelles séries, des nouveaux films, quoi. C'est pourquoi je vous demande de vous abonner. Et en fait, et là, la suite, vous voyez que nous avons d'autres épisodes. Il y a juste en bas de la troisième saison, il y a l'épisode 2, 3, 4 et ainsi de suite. Ah, je vois que ma connexion est tellement lente. Mais là, attends, nous allons essayer avec la deuxième épisode. Voyons si ça va lire. En fait, c'est ça. C'est ça. C'est encore un nouveau film, vraiment. La Casa, ça prend vraiment beaucoup d'ampleur dans le monde. Beaucoup de gens, plus des millions, des milliers déjà attendaient. Attendez la sortie de ce troisième saison. Vraiment des milliers de gens. Et bon, je pense que là, c'est pas grave. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et justement, surtout ceux qui ont suivi entièrement, de votre patience. Allez, à plus. En cliquant sur moi, s'il vous plaît, vous allez voir, ça va se démarrer automatiquement. La lecture va se démarrer automatiquement. Si vous voulez passer à l'épisode suivant, vous cliquez là. Ensuite de suite. Et si vous voulez télécharger, bon, en fait, c'est parce que ça ne paraît pas souvent à cause de la connexion. Mais il y a une petite icône de téléchargement qui vient ici, juste là, et vous cliquez là sur télécharger, ça va
entrer dans votre ordinateur. Vous allez voir un petit icône de téléchargement de ce parti ici et ça va vous aider à faire le téléchargement. Alors, merci à vous tous qui avez pris du temps pour suivre ce tuto. Merci et à plus.